Bonjour, mes nains, fées papillons de venir. Alors, je prends quelques minutes pour vous faire la petite vidéo. J'étais en effet encore en balade aujourd'hui, ce matin, et donc, ben voilà, j'ai envie de dire oui, ça c'est fait. parce que voilà, j'ai fait un travail énergétique justement pour encore balayer le dernier blocage. Donc je suis super contente et ben voilà, je suis très positive par rapport à ce qui a été fait et dit. Donc nous verrons la suite des événements. Alors ce que j'ai envie de vous dire, voilà, c'est vous faites quoi? Vous vous laissez abattre et vous baissez les bras et vous abandonnez. Où vous vous battez et vous trouvez les solutions pour avancer et pour changer ce qui est. Donc, ben voilà, moi j'ai envie en tout cas de me battre et d'avancer et de trouver les solutions pour changer ce qui est. Et c'est bien ce que je suis déterminée à faire maintenant. Donc, peu importe la difficulté de ce qui est là. De ce qui se présente à moi. En tout cas, je passerai et les choses vont devenir simples et claires. Donc, voilà, c'était le message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui. Alors aussi un autre petit message peut-être sur le fait que, voilà, encore un retour des jalousies qui m'entourent. Oui, c'est clair que je voyage beaucoup. J'ai voyagé énormément cette année, mais les gens ne savent pas ce que je fais et comment je le fais. Donc, oui, je voyage, je vais voir dans d'autres pays, je vais faire d'autres choses. Mais entre un voyage, comme mon l'Écosse, ici, où je suis partie 5 jours en Écosse, mais. J'ai des bons tuyaux et ça m'a coûté 250 euros pour les 5 jours. Un peu plus parce que j'ai eu un problème avec la voiture qui m'a coûté un peu plus cher. Mais en gros, ça m'a coûté 250 euros. Alors, il y a une différence entre 250 euros pour un voyage et 3000 euros pour des travaux. Donc, mais voilà pourquoi j'ai fait une demande de financement participatif et que j'ai demandé l'aide de tout le monde. Parce que voilà, il y a une différence entre sortir 250 euros pour un voyage qui va te rapporter parce que tu vas pour ton business et que tu vas ou soit faire un séminaire ou un repérage pour organiser quelque chose avec des gens qui vont te payer pour le faire et donc que tu vas rapporter et récupérer des sous et faire des travaux alors que tu n'as pas le financement pour et les 3000 euros. Pour le matériel pour le faire. Alors, voilà, je n'ai pas à me justifier, mais je sentais quand même le besoin de le faire. Et maintenant, j'espère avoir l'argent. Je suis même sûre d'avoir l'argent. Et puis voilà, les choses se mettront en place et je ferai ce que j'ai à faire. Et les jaloux, ils peuvent retourner, ils peuvent me supprimer de leur Facebook. Il n'y a aucun souci. Ils n'ont pas besoin de regarder ce que je fais. Et ça ne m'intéresse pas de savoir ce qu'ils pensent non plus. Donc, voilà, petit coup de gueule. Mais oui, peut-être mise au point en tout cas. Parce que, voilà, il y a de la jalousie partout. Et je ne me retournerai pas dessus. Je ne me retournerai pas dessus. Parce que j'ai envie d'avancer. J'ai envie de trouver les solutions pour avancer et avoir un mieux dans ma vie. Et le mieux, je l'aurai. Et il y aura encore plus de jaloux. Parce que, voilà, parce que j'y serai arrivée et parce que j'aurai fait ce que j'ai à faire. Donc, merci en tout cas à toutes les personnes qui ont confiance en moi, qui me suivent, qui m'encouragent, qui m'aident voilà, je suis super contente des personnes qui sont avec moi et puis voilà, ça m'aide à avancer, ça m'aide à aller plus loin et puis voilà, et puis on verra,
En plus, ils annoncent de la neige pour ce week-end. Donc, ça va être génial. On va travailler sous la neige. Non, mais j'espère que... Enfin, en tout cas, il y a de la neige prévue jeudi. Mais j'espère que pour samedi, ce sera OK. Et que mes petits gars, ils n'auront pas trop froid pour travailler dehors. Parce que, ben voilà, quand même, c'est pas cool, quoi. Donc, aujourd'hui, en tout cas, on a un petit rayon de soleil. Ça fait du bien et c'est génial. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée. À demain.